بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل بيد الله سبحانه وتعالى، كل بيد الله سبحانه وتعالى sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs. En islam, bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous accorde les délices de la guidée, invitation à la réflexion, invitation à la mise en cause, invitation à la remise en cause, invitation à l'élévation, invitation à la souplesse intellectuelle, invitation à la tolérance, invitation à faire fonctionner vos neurones, les neurones de vos cerveaux et les neurones de vos cœurs, parce que votre cœur aussi a des neurones. Invitation à l'excellence, invitation à l'autocritique, invitation au vivre ensemble, invitation à voir le bien en l'autre, même s'il est différent, invitation au partage, invitation à voir le mal en ton frère s'il est injuste, c'est ton frère en religion qui partage des valeurs, de la morale avec toi, avec qui tu as un socle de valeurs. Si il fait quelque chose de mal, tu dois avoir l'honnêteté islamique, la justice islamique de le dire. Attention, ne sois pas sectaire. Tu vois le bien quel qu'il soit chez ton frère qui te ressemble, et tu vois le mal tout le temps chez celui qui ne te ressemble pas. من معي فهو قديس ومن ليس معي فهو إبليس. Le fameux proverbe, من معي فهو قديس ومن ليس معي فهو إبليس. Celui qui est avec moi, qui est comme moi, c'est un saint, S-I-N-T. Et celui qui n'est pas avec moi, qui n'est pas comme moi, est Iblis. Iblis, c'est Shaitan. On le voit, subhanallah, ça. Donc, est-ce que le tueur de Toulouse est un islamiste? Est-ce qu'il est islamiste? D'abord, maintenant vous me connaissez un peu, c'est ça, hein? What is islamist? Ça veut dire quoi, islamiste? J'ai déjà fait il y a longtemps, alhamdoulilah, une vidéo sur je suis islamiste. J'avais parlé des istes. Donc maintenant, what is islamist? D'après ce qu'on voit dans les médias, parce que nous devons analyser un peu les médias, parce que c'est l'une des plus énormes forces de frappe aujourd'hui qui manipule le monde. Donc d'après ce qu'on voit dans les médias, d'après ce qu'on voit, même pas des tergiversations des journalistes médiatiques, on le voit des hommes politiques, on entend des hommes politiques, on entend des juges, on entend des intellectuels, on entend des anticulturels, on entend des anti-intellectuels, on entend tout type de personnes nous expliquer ce que c'est qu'islamiste. Même s'ils ne l'expliquent pas parfois directement, ils le disent indirectement. Un islamiste, c'est quelqu'un... Donc un islamiste, fondamentaliste, intégriste, radicaliste... Quoi d'autre? Salafiste, jihadiste. Donc tout c'est iste. J'avais parlé à une époque de fajriste. Le jour où il y aura des fajristes dans le monde musulman, le monde changera, Inch'Allah. C'est surtout lui, là. J'avais inventé un mot fajriste.
D'accord? Donc, tous ces islams tournent toujours autour d'une même chose. Donc, c'est quelqu'un qui pratique sa religion. Et ils les appellent aussi des fous d'Allah. J'ai vu que le point, ils ont mis une grosse page, le fou d'Allah. À frapper ou des choses comme ça. Le fou d'Allah. Les fous d'Allah. Ils les appellent aussi les fous d'Allah. Donc, c'est des gens qui lisent le Coran, qui portent la barbe ou le hijab, quand elles sont des femmes. Elles vont pas porter la barbe si elles sont des femmes. D'accord? Bien. Donc, ils portent le hijab pour les femmes, portent la barbe pour les hommes, portent qamis de temps en temps, là, pour les hommes. Très bien. Quoi d'autre? Ils pratiquent leur religion, ils partent à la mosquée, beaucoup, partent à la mosquée, beaucoup. D'accord? Quoi d'autre? Ils vivent vraiment à l'être leur religion. Très bien. Très bien. Ils parlent tout le temps du Coran. Très bien. Si c'est ça, islamiste, d'abord, le tueur de Toulouse n'avait rien à voir avec les islamistes. Il le désavoue entièrement. Il se désolidarise avec lui entièrement. D'accord? Et il n'avait rien à voir avec l'islamisme. C'est ça l'islamisme. Beaucoup, alhamdoulilah, de personnes, ou une partie des personnes, pas beaucoup, malheureusement, de 1 milliard 600 millions de musulmans, sont comme ça. Donc, sont des islamistes. Et c'est ça, être islamiste, beaucoup. Mais pas le tueur de Toulouse. Le tueur de Toulouse, je vais vous le dire, vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire. Moi, je réfléchis à haute voix. C'est tout. C'est un enfant, gamin, jeune, qui a vécu une vie difficile, difficile, qui a développé beaucoup de haine, qui avait des problèmes psychologiques, qui a eu des déchirures familiales extrêmement lourdes, sur lesquelles peut-être il a médité toute sa vie, et qui ont régi toute sa vie. Un jeune qui s'amusait beaucoup. La DCRI a dit elle-même que la surveillance qu'ils ont fait, parce qu'ils sont ils sont en panne, les pauvres. Elle disait elle-même, la DCRI, qu'ils fréquentaient même pas la mosquée. Donc, ce qui les a perturbés avec lui, ce qui a fait que ils n'ont pas du tout pensé qu'il allait passer à l'acte, même si ça fait quelques années qu'il l'observe, c'est le fait qu'il était vraiment, mais vraiment intégré. Comme beaucoup de jeunes, d'après ce que je vois dans les médias et dans la bouche de quelques procureurs, de quelques juges et quelques intellectuels, comme beaucoup de jeunes comme lui, quelqu'un qui s'amusait. La rodeo, amusement, futilité, fornication, alcool, drogue, casse, deal, tout ça, pas de problème. Comment après vous osez dire que c'était un islamiste? D'après votre définition, moi je ne suis pas d'accord avec cette définition. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Chacun a le droit de pratiquer sa religion comme il veut. Tant que sa liberté à lui ne touche pas la liberté des autres. Tant qu'il ne l'impose pas aux autres. Il veut expliquer sa religion. Vous l'appelez prosélytisme, lui il l'appelle da'wa. Da'wa, c'est de la nomenclature. Ce sont des jeux de nomenclature. Vous appelez ça prosélytisme, lui il dit, il pense, ce musulman, c'est une da'wa, un rappel. Il invite les gens à connaître sa religion. Celui qui veut écouter, alhamdoulilah, Dieu soit loué, celui qui ne veut pas écouter, pas de problème. Aucune contrainte aux religions. Voilà. Écrasé fiddine, on n'impose à personne sur la religion musulmane. Mais non, pour chaque musulman, chaque islamiste, si vous voulez, il a le devoir, il a l'obligation d'inviter, dans n'importe quelle circonstance, l'autre, à au moins avoir une idée sur l'islam. Comme vous le savez, n'importe quelle personne sincère, quand elle mène de recherche sincère, et quand elle est vraiment régie par une recherche sincère, et quand elle est guidée par une recherche sincère, elle trouve toujours que l'islam n'a pas d'égal. Et non, c'est vrai, pour moi, je sais que c'est pas, il n'a pas d'égal. Mais lui, quand il lance la recherche, au bout de quelques jours, quelques semaines, c'est pas possible tout ça. Mais c'est ça l'islam, c'est pas possible. C'est inégalé. C'est normal, c'est inégalé, ça vient de chez Allah. C'est la religion d'Allah. D'accord? Donc, je vais vous aider tous, là, pour tous ceux qui tergiversent autour du tueur de Toulouse, il n'avait rien à voir avec l'islamisme. Rien. Et niet.
Et il y a toujours un bien dans un mal, parce que, alhamdoulillah, la DCRI a recherché, a sorti des statistiques qu'on connaît depuis un moment, alhamdoulillah. Et qu'on connaît, nous, par définition, que nous sommes comme ça. Ils ont dit, il y a maximum, au grand maximum, 200 personnes qui peuvent exprimer, qui peuvent être une menace pour la France. 200. Vraiment, qui peuvent être éventuellement une menace pour la France. Et ils ont dit 20. C'est le patron de la DCRI qui parle. 20. Une vingtaine de personnes qui menacent vraiment la France et qui est une vraie menace. Ou qui peut être une menace à l'avenir s'il n'est pas bien surveillé. Donc, voyez, finalement. C'est un makhad al-filu fa walada fa'ran. On appelle ça en arabe littéral. Tamakhad al-filu fa walada fa'ran. Et vous avez l'équivalent en français. C'est la montagne qui a accouché d'une souris. Donc, je dis à la populace, aux français du peuple, normaux, qui ont comme Dieu, naam, malheureusement, ils trouvent pas logique l'existence de Dieu, ou ils trouvent logique que c'est 3 en 1, comme Hidden Shoulders, sauf que Hidden Shoulders, c'est 2 en 1, le père, la mère et le grand-père et le Saint-Esprit, tout ça, c'est différent, mais c'est la même chose, très bien. Donc, je le dis à la populace que finalement, une vingtaine de personnes qui menacent la France et qui sont surveillées. Donc, cet islamisme que vous voyez partout, n'est que le résultat d'une imagination satanique, mais qui continue à diviser pour mieux régner. D'accord? Et ce type de comportement, si vous les appelez islamisme, bah, si votre définition de l'islamisme est le fait que c'est quelqu'un qui pratique sa religion, qui part à la mosquée, qui essaye de s'activer comme il peut, qui essaye de satisfaire Allah comme il peut, parce qu'il sait n'importe quel musulman. Je vais vous dire, c'est pire que votre définition. Elle est même pire. N'importe quel musulman pense viscéralement, de plus profond de son cœur, il croit surtout. Yusaddiq, le verbe croire, il n'arrive pas, ne pourra jamais expliquer la chose. Il est là, n'importe quel musulman qui a un strict minimum de connaissance de sa religion, sait que la raison de son arrivée sur terre, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, regardez ma définition à moi, elle est beaucoup plus puissante que la vôtre. La vôtre, c'est, il part à la mosquée, il lit le Coran, il s'habille au kamis, il met, bah, non, musulman, c'est beaucoup plus profond que ça, et au lieu de l'appeler islamiste, appelez-le musulman, ne vous cassez pas la tête, si vous voulez. Et je sais que l'amalgame est faite depuis un certain moment entre islam et islamisme, mais moi, je vous dis, l'islamisme tel que vous le définissez, bah, ça, n'importe quel musulman est comme ça. N'importe quel musulman suit sa religion, suit les préceptes, essaye, se déploie comme il peut pour suivre les préceptes de sa religion, qu'il soit au niveau du paraître, ou qu'il soit au niveau du cœur, au niveau du comportement, au niveau de la pratique, au niveau de l'échange, au niveau de l'argumentaire, au niveau de la vie, au niveau quand il se mélange avec les gens, au niveau de son comportement avec l'autre, au niveau de son comportement avec la nature, au niveau de son comportement avec le développement durable, au niveau de son comportement avec l'économie, au niveau de son, c'est vraiment à tous les niveaux le musulman. Et quelqu'un qui essaie d'adorer Allah dans tous les domaines, il sait que la raison d'être, sa raison d'être est adorer Allah subhanahu wa ta'ala et être le lieutenant d'Allah sur terre, propager le bien, combattre intelligemment et doucement le mal. Est-ce que tout ça s'applique sur le tueur de Toulouse? Niet. Non. Toulouse, comme des gamins qu'on a rencontrés tous. On les a tous rencontrés. On les a vus. On les a pratiqués. On les a vus dévier. Malheureusement. Frustré, extrêmement frustré, extrêmement fatigué de la vie. Il a déjà fait une tentative de suicide. Il n'a jamais été content. Il n'a jamais été une paix, une stabilité pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont dérangé. Parce que, à partir du moment où quelqu'un le dérangeait, il frappait, il montrait ses signes de violence. Et c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à, dans des histoires avec la justice, dans des histoires de vol, de casse, de, donc, éloigner ça de l'islam, s'il vous plaît. Le mot islam ne doit pas être dans ça. Ça marche, les non-musulmans, ça marche. Donc n'écoutez pas les médias, attention, danger. Moi, je vais vous aider, Inch'Allah, à comprendre un peu ce qu'ils voient contre ces médias, et je vous demande aussi, les non-musulmans, de réfléchir un peu, s'il vous plaît, réfléchissez. Un peu de cerveau, s'il vous plaît. Vous avez quand même, soyez digne de votre cerveau, soyez à la hauteur des neurones que vous avez, sinon c'est quand même malheureux, d'accord? Ne gommez pas tout ce que vous entendez,
Et sachez que le complot, le vrai complot, c'est l'utilisation de ce type de cas malheureusement rare, attention, extrêmement rare. Extrêmement rare. Vous savez que l'Europe elle-même, et toutes les études montrent que, alhamdoulilah, la menace islamique, si vous voulez, pour ceux qui font l'amalgame, et la menace islamiste, pour ceux qui font l'autre amalgame, finalement, il n'existe pas. Il représente 0,00001% sur toutes les attaques qu'il y a eu en France. La menace dite islamiste ne représente finalement rien. Mais c'est vrai qu'il est utilisé. Il est utilisé pour manipuler la populace, à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur d'année, et divisé pour mieux régner. Elle a abouti, elle a été la cause, elle a été utilisée pour aboutir à la fameuse identité nationale. Mais je vous dis attention, méfiez-vous de ce type de malheur. D'accord? Donc, pour répondre et pour récapituler, le pur de Toulouse n'avait rien à voir avec votre définition de l'islamisme. D'accord? C'est vrai que j'ai oublié de rajouter le volet qui vous intéresse le plus sur le mot islamisme, c'est quelqu'un qui veut tuer, quelqu'un qui veut partir en Afghanistan à prendre le maniement des armes pour tuer. Si c'est ça, vous le rajoutez aussi dans le volet. C'est surtout ça qui vous intéresse. Là, le musulman, qui n'a même pas atteint l'honneur d'arriver à votre définition de l'islamisme, le musulman, le petit, quel qu'il soit, sur le 1 600 millions de musulmans, ne veut tuer personne. Ne veut tuer personne. Naam. Il veut défendre sa terre, sa patrie. Naam. Il est prêt à donner sa vie pour ça. Naam. Ce n'est pas donné à n'importe qui, attention. Cette histoire. Mais, et il ne tue pas des innocents. Il n'est pas là pour violenter les gens. Il n'est pas là pour faire le mal. Il sait que juste faire ça à un musulman ou à un non-musulman, juste faire tarouer à quelqu'un, ça peut être un passage en enfer. Ça peut donner un passage en enfer. D'accord? Donc, arrêtons avec ces histoires d'islamisme. Arrêtons d'utiliser cette histoire de Toulouse. C'est le rôle. Vous êtes dans votre rôle. Ceux qui manipulent un peu ou qui manipulent beaucoup la populace. Mais, à nous, Inch'Allah, tous, vous, mes frères d'honneur, mes sœurs et mes frères, les hommes et les femmes d'honneur, quel que soit votre pays, quelle que soit votre religion, quelles que soient vos expériences, quel que soit votre parcours, quelle que soit votre manière de comprendre le monde, essayons d'aider l'autre à comprendre un peu le monde et à comprendre surtout que l'islam et le musulman n'ont rien à voir avec l'injustice, avec la violence gratuite, avec l'oppression, avec tout ce qui est mauvais, tout ce que la fitra humaine n'aime pas, tout ce que la pureté, la condition primaire de l'humain n'aime pas, l'islam n'a rien à voir avec, le musulman n'a rien à voir avec. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous accorde les délices de la guidée. N'oubliez pas dans vos doigts, dans vos invocations, et je compte sur vous, Inch'Allah, pour propager le message où j'invite le monde à être beaucoup plus intelligent que ça, à être beaucoup plus souple que ça, à être beaucoup plus tolérant que ça, à être beaucoup moins obtus que ça, à être beaucoup moins borné que ça, et à faire bouger un tout petit peu les neurones et un peu de logique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.